Mais d'abord, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité ici aux États-Unis, décret président Joe Biden sous quantité monde qui a demandé asile sous frontière états-unien continue à provoquer réaction dans le camp républicain et dans le temps démocratique. Président Joe Biden trouvé dans le pays la France dans l'occasion commémoration 80 l'année débarquement 6 juin 1944 là et bien dans le pays d'Haïti chit attendait entre premier ministre Gary Conille et conseil présidentiel transition sous formation un nouveau gouvernement dans le pays d'Haïti. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans Bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui le qui côté wap tande et garder en même temps édition la voix de l'Amérique ça que nous rentrer la caille aujourd'hui à quand nous pour le tout ça qui passé Haïti ou à l'étranger dans édition la voix de l'Amérique ça avec l'autre grand point n'a gain pour nous porter pour n'a faut connait c'est long journal là les nouvelles Haïti et bien JetBlue avec Spirit même yo reprend vol yo Port-au-Prince pendant journée hier 5 juin 2024 là dans dossier force mission multinationale là et bien président Kenya lui-même li mandé yon groupe pasteur et bien pour continuer s'entendre là en pile jeune même yo a fait selon Lixon Saint-Ville et bien n'a faut connait dossier qui gain pour avec dossier haïtien même qui gain passeport haïtien pas capable sorti pays États-Unis pour rentrer en République Dominicaine et bien Abinadel fin réélu là haïtien pas capable mettre pied derrière avec passeport mais soit sur Haïti ou déjà kon bagay yo de progresser mais chef yo a passé organisation citoyen pour une nouvelle Haïti estime mais mercredi à la li important pour en pile pour yo même yo ta fait un bon nettoyage en dedans police nationale d'Haïti pour ça plusieurs l'autre qui nous voter pour dans édition la voix de l'Amérique ça mais avant même nous rentrer dans point ça yo pas oublier n'a toujours dou ça si c'est pour la première fois que vous même ou tomber sur channel ça abonnez-vous avec channel là et activez la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune prochaine vidéo pas oublier quitter un like sur vidéo partager le tout avec vos amis yon famille yon façon pour capable aider nous grandir communauté channel n'a pas quitté avec la voix de l'Amérique devant n'a pas et Kenya gagne pile la prière qu'a faite pour mission qui gagne pour débarquer dans pays d'Haïti mais actualité a mené nous d'abord ici aux États-Unis côté militant qu'a défendre immigration immigrant plutôt et ben yo mandé administration Biden pour entrer décret qui a limité quantité monde qu'a demandé asile sous frontière États-Unis et sous frontière États-Unis. Et Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nos situations et qui était trouvé dans la maison blanche. Jean-Robert Philippe, réaction sur ce bon côté républicain, bon côté démocrate et même bon côté Nations Unies, tout Jean-Robert. Et président Biden nous divisé sur décret ça mais tout l'hypothèque est tout by agence Nations Unies pour réfugiés qui lui même était quoi qu'un monde qui n'a besoin capable difficile pour rien accès à système asile États-Unis et puis tout son décret qui normalement d'après mesure il pas appliqué pour mineurs il pas appliqué pour monde qui gagne urgence médicale il pas appliqué pour monde qui gagne rendez-vous qui prend rendez-vous donc son décret que tout le monde t'a rejoindre là-dedans mais pourtant le président en bas en pile critique pour décret là qui était quoi que qui t'a aidé mettre sécurité sur frontière. Actualité ici aux États-Unis, décret président Joe Biden sur quantité monde. They know the border is not a political issue to be weaponized. The responsibility we have to share to do something about it. They don't have time for the games played in Washington. Militaire parlementaire qui a défendu droit immigrant pas content avec décret président Joe Biden signé mardi 4 juin pour mettre restrictions temporaires sur monde qui a cherché asile aux États-Unis après fin traverser frontière pays a partagé avec Mexique illégalement. Président dit raison qui fait lui prendre décret c'est à cause républicain pas semblé à marcher dans logique pour travailler avec lui pour sécuriser frontière. Une coalition qui gagne là-dedans organisation qui a défendu immigrants mais avec quelques membres congrès réunis devant Capitole la même journée mardi 4 juin pour dénoncer décret présidentiel là qui visait fermer frontières et puis limiter quantité immigrants qui capable demander asile dans pays. Une intervenant c'est député Yodelia Ramirez qui sorti dans district 3 état Illinois et qui était rentré illégalement aux États-Unis avec maman. Y es porque estoy tan decepcionada de la orden ejecutiva que hemos escuchado. Il parlait de nécessité pour gagner réforme immigration en faveur de tout immigrant, une façon pour être capable de gagner un document légal dans le pays. Pour lui-même, président Biden doit adopter mesures pour uniformiser et puis aider les immigrants à rejoindre une protection au lieu pour empêcher de chercher asile aux États-Unis, qui contrait avec valeur démocratique des États-Unis à prêcher le monde. Le député d'ici 5 Minnesota, Ilan Omar, qui lui-même est rentré aux États-Unis comme réfugié, quoi décret exécutif président Biden a violé principe qui dit États-Unis représentent espoir pour le monde qui a couru contre persécution, violence avec oppression.
Alain Maurice, directeur politique national pour LGBT, donc groupe qui réunit garçons avec mesdames comme avec l'autre groupe, déclaré nous sentis gagner un bagage qui pas marché bien. Réalité a c'est que décret exécutif là pénaliser monde qui cherche asile. Après ancien administration a échoué dans tentative pour bâtir un mirail pour empêcher immigrés de rentrer aux États-Unis. Galine Joseph, c'est responsable de chaîne Bridge Alliance qui est basée dans San Diego, dans l'État de Californie. Depuis que le gouvernement n'a pas changé de direction, nous tous pour mettre tête ensemble pour nous capables combattre, pour nous joindre une solution. Un groupe gouverneur de parti, même congrès, maïsra communal, officiel force de l'audio, qui travaille sur frontière, salue des décret exécutif là, yo quoi, c'est yon pas dans bonne direction, même si yo quoi, ça pas résoudre crise sur frontière. Un groupe républicain dans congrès a dénoncé des décret, yo dit qu'il pas porter solution dans abus qu'a commet dans arrêté libéré a abi dans application CBP 1 an, li pas mettre en application programme réussi administration Trump-Lan qui t'a mandé immigrants qui a mandé asile yo rete au Mexique en attendant responsable analyser demande yo. Décréa Pabay, garde frontalier, nouveau moyen pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui ont débarqué sur frontière Pabane et Papaquet chaque année. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et pendant ce temps, il y a le président Joe Biden qui trouve dans le pays la France, dans l'occasion de la commémoration 80e anniversaire de débarquement 6 juin 1944. Là, Sandra Lemaire, il y a un détail. Président États-Unis Joe Biden arrivé dans la ville Paris en France, côté lui pral marqué 80e anniversaire invasion Georgia. En même temps, président américain a essayé montrer support jam les États-Unis pour sécurité Europe là. Dans moment côté quelques alliés gain qu'à sauter pour Donald Trump pas faire ça le menacer pour le faire qui s'est écrasé tout engagement États-Unis prend s'il remportait au l'autre mandat dans la Maison Blanche. Voyage en France là a déroulé dans moment côté conflit côté plus moun mouri depuis deuxième guerre mondiale là a continué en Ukraine et plutôt alliés européens yo a prédit pour joindre moyen pour empêcher la Russie remporter la victoire dans moment la vallée terrain sous champ de bataille là. De l'autre côté, division entre États-Unis et campi l'allié européen par rapport à qui Jean Yodwe gérer conflit israélo-hamas là dans Gaza a approfondi chaque jour. Biden rive Paris mercredi matin. Jeudi, il pourra visiter plage Normandie côté gagne un cimetière pour soldats américains qui étaient morts dans bataille pour camper deuxième guerre mondiale là. Biden va prendre la parole vendredi dans Pointe du Hoc, un lieu sous côte pays la France, côté soldat la meilleure grimpée monde bol en main pour surmonter défense nazie. Conseiller sécurité nationale à la Maison Blanche là, Jake Sullivan, déclaré à bord avion présidentiel là Air Force One pendant Biden était en route pour le pays la France, que président prend mettre accent sur qui gens soldat qui était grimpée monde ça été metté pays à en premier et puis détailler danger isolement et puis qui gens si nous appuyer dictateur au lieu nous défier yo, yo pral pousser pou pi devant et puis éventuellement États-Unis ak le monde va payer yon pi gros prix. Pendant ce temps, président français Emmanuel Macron te rend hommage à civils qui étaient victimes bataille Normandie 6 à 7 juin 1944. Macron voyageait dans ville Saint-Lô mercredi pour commémoration qui était déroulée dans l'honneur victime sa yo. Ces bombes qui tombèrent ce soir-là étaient celles des alliés. Les avions américains et britanniques avaient visé Saint-Lô, centre routier dans le cadre du grand plan de neutralisation des voies de communication, et ce pour empêcher les renforts allemands de venir repousser le débarquement. N'a pas rappelé que 20 000 civils qui étaient morts dans l'invasion nazie pendant force alliée au tap goumen pour protéger yo et sauver yo. Mais sous ça, 73 000 troupes qui étaient morts et puis 153 000 qui étaient blessés. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. On parlait de élections aux États-Unis 2024, là, c'est une année électorale. Côté que 5 novembre 2024, ça, pour le mettre face pour face, deux principales parties dans le pays, Parti démocrate là, avec Parti républicain. Nous t'ai présenté dernièrement Parti républicain. Jodia, Fred Kaimit a présenté nous Parti démocrate là. Je connais Parti démocrate là comme parti qui est en faveur du gouvernement fédéral à la politique sociale progressiste. Cependant, ça va toujours comme ça. C'est dans les 1792, les deux fondateurs pays, Thomas Jefferson et James Madison, ont fondé le Parti républicain démocratique là. Qui bralvin tourne pita Parti démocrate. Yo vle pour gouvernement fédéral la gen Wall PPT. Ak plus monde qui participe dans le mouvement démocratie là. Pas seulement élite pays là. 1829, président Andrew Jackson pousse idéal ça au plus loin. Li vle un gouvernement fédéral qui même PPT. Et li pousse l'idée pour tout garçon blanc voter au lieu de seulement propriétaire. C'est 41 années qui passaient avant pour garçon noir américain joindre droit pour voter.
À passage 15e amendement, femme pas jeune doit voter pendant 91 années. Ça qui vient changer avec passage 19e amendement. Et c'est après 136 années Voting Rights Act là qui vient craser toute barrière qui empêchait nous à voter. C'est succès campagne présidentielle Jackson là qui était bail symbole parti démocrate là bourrique là. Adversaire lié était les lions crétins, une mascotte qui supportait lié était adopté. Parti démocrate l'a divisé selon géographie pays en 1860, dans l'époque qui menait dans la guerre civile là. Démocrate dans le noir, démocrate dans le sud, pas de 40 ans, sous question esclavage et effort pour préserver l'union. Les partis sud la perdent la guerre civile en 1865, parti démocrate l'a perdu l'importance nationale pour plusieurs générations, pendant que le parti républicain Abraham Lincoln l'a dominé politique pays. Vers 1912, les premiers démocrates dans le sud la élu président depuis finissement de la guerre civile là, parti a une plus progressiste. Président Woodrow Wilson défend droit pour femmes voter. Ça que le pays a été ratifié en 1920. C'est juste dans l'époque de la Grande Dépression, les démocrates viennent de prendre domination dans la politique là, avec en tête le président Franklin Delano Roosevelt qui agit pour le gouvernement fédéral là. En pile électeur américain noir traversé dans le parti démocrate là à cause de politique Roosevelt. Les démocrates ont contrôlé la politique pays a pour un bon valet dans 50 années qui viennent après. Le parti a vu dans plus à gauche dans la question politique sociale. Dans la mi-temps de 1960, Lyndon Johnson passe projet de loi sous droit civique et sous plus programme social dans le gouvernement. Dans dizaines d'années qui sont passées, les démocrates et les républicains, l'un fait passe par l'autre dans le contrôle de la présidence là. Président démocrate Barack Obama, c'est le premier président noir américain et il a le gouvernement un plus grand rôle dans soins de santé. Il a signé une loi sur soins de santé abordable qui est Obamacare. Le président Joe Biden monté président dans l'époque de la pandémie COVID-19, lui-même avec le parlementaire a passé un programme 1,8 milliard aide COVID-19. Un projet de loi 1,2 milliard pour infrastructure et 369 milliards pour combattre le changement climat. Yon présentation et Fred Kaimit ou Souvé ou Akreol a suivi un programme dans langue créole haïtien. Ou toujours Souvé ou Akreol a suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité à Menem Konya dans le pays d'Haïti, côté conseil présidentiel transition, rencontré avec le premier ministre Gary Kony, yon rencontré et yon promet que très prochainement Abgain, yon nouveau gouvernement. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Tractation va continuer dans le pays d'Haïti, notamment dans le temps membre conseil présidentiel, dans la perspective pour la mise en place du prochain gouvernement après Gary Kony fin recevoir ampliation qui habilite pour former cabinet ministériel. Le prochain gouvernement transition a bien la donne 13 ministres au lieu de yon vingtaine, gens ça qu'on habitué, selon diverses sources nous capables de faire confiance. Décision ça sorti dans échange entre membre conseil présidentiel transition avec premier ministre Gary Kony qui discutait 4 juin sous profil gouvernement. Coalition regroupement parti politique pour avancement démocratie exhorté premier ministre Gary Kony pour mettre à profit compétences li ak expérience li pour capable gérer efficacement défi transition. Au premier ministre Gary Kony, nous lui demandons pour sa part de mettre à contribution ses compétences et expériences pour gérer avec efficacité et efficience, en synergie avec le Conseil présidentiel de transition, les grands dossiers de la transition. Pour capable bailler résultat, les nécessaires pendant la période de transition pour fusionner plusieurs ministères, c'est ça Gary Kony fait qu'on est pendant la réunion, selon une source qui proche Conseil présidentiel de transition. Ministère régalien a de constituer ossature gouvernement, ses portefeuilles intérieurs, justice, défense, économie et affaires étrangères. Yon entente a trouvé également pendant rencontre lan sous formule pour adopter pour attribution portefeuille. Premier ministre lan t'a proposé non sous 4 ministères régaliens et conseil présidentiel transition sous 9 lot yo. N'a noté conseil présidentiel transition ensemble avec équipe Gary Kony pas communiqué information sous décision qui arrêté pendant réunion. Site officiel présidence pays d'Haïti simplement rapporté conseil présidentiel là avec Gary Kony prend engagement pour travail dans l'idée pour doter pays rapidement de yon nouveau gouvernement. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pouvez voir créole. Merci Yves, n'apprêtez toujours n'importe quoi ce côté que gain plusieurs leaders politiques qui même gain opinions différentes, opinions dépendantes sur formation yon nouveau gouvernement. Nous pas le rejoindre Ronald Toussaint depuis Port-au-Prince. Maître André Michel qui se porte-parole secteur démocratique et populaire SDP souhaitait ses premier ministre Gary Kony qui choisit équipe gouvernementale li puisque d'après ça le dit depuis gros bagaille pays d'Haïti besoin journée aujourd'hui hein. Si. Peuple haïtien a tant force internationale là, vini aider la police crase gang pour mettre sécurité dans le pays. Jean SDP a demandé ça depuis 19 mois. Parce que map dit depuis longtemps, nous ne pouvons pas sortir en bas gang yo sans une force internationale. C'est sécurité qui pour mes besoins, peuple là.
Deuxième bagage qui est important, nous besoin d'un conseil électoral crédible qui pour faire une bonne élection où le peuple a choisi qui est-ce qui pour venir diriger le pays. C'est deux bagages ça qui plus important pour le peuple. Mais il y a l'autre leader qui parle bagage la même gens. Nous qu'a cité par exemple Bolivar Jean Anderson qui c'est coordonnateur général résistance pour Haïti. Nous demandons le conseil présidentiel là à Premier ministre là pour chita ensemble en harmonisation sans tête chargée, pas occuper aucun zéphéris, aucun détracteur, cap by pression, cap réclamer deux, trois ministères sous base qui gagne plus capacité de mobilisation. Je dis à Nabdiyo, c'est bien compté, mal calculé. Pendant ce temps, même conseil présidentiel transition avec Premier ministre Garry Conille a réalisé une séance de travail hier après-midi, mardi 4 juin 2024. Là. Question qui gagne rapport avec formation gouvernement, t'es dans cette discussion entre nouvelles autorités pays. Oui, dans tout ça. Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint et Konyan Instruction et tout membre conseil Obama. Konyan va rejoindre Massado Vilmé qui lui-même t'est parlé avec quelques citoyens sous formation yon gouvernement yon gen yon l'autre fois encore idée département sous question. C'est que nous n'avons pas temps pour nous perdre. Plusieurs citoyens qui réagissent sous l'installation de Dr. Garry Conille comme premier ministre pour voir transition disent pas espérer un yakli. Selon yo, c'est la communauté internationale là qui pour ces conseils là fait choix si là. Sortir Ariel Henry tombé dans Garry Conille, nous croyons que c'est pour changer, c'est même moteur. Parce que ce n'est pas CPA qui fait choix de Garry Conille. Ce n'est pas CPA qui fait choix de Garry Conille. Tout simplement, c'est Dicton Blanc qui a animé. Au contraire, il était là déjà. S'il retourne là, il a une raison. Et pour qui ça? Il était démissionné, on ne pas connaît. Pour qui ça retourne là, on ne pas connaît. L'homme qui a toujours changé, à tout moment. Mais si l'homme n'a pas doté de l'esprit qui est animé de sa livre, pita à pitris pour Haïti. C'est seul peuple là qui peut libérer le peuple là. Nous avons dit que c'est imposé ou imposé Garry Conille. Ok? Parce que dans le conseil là, ce n'est pas Garry Conille qui a été choisi. Et nous avons sorti Maurice Jean-Charles. Maurice Jean-Charles sorti, il dit bon, ils font grand point, parce que, etc. Parce que devine l'Afrique, c'est Belizère. Et après, nous avons tout le monde. Et pas de bonnes notes qui sortent internationalement qui ont été saluées en présence ou bien choix concernant les faits. Et tout de suite, nous avons donné au changement. Par contre, le fait que les données ont changé, vous savez que plus de 200 candidats pour faire pour le ministre. Mais nous avons toute la presse a parlé, automatiquement, Garry Conille vient, toute la presse a parlé de Garry Conille. Ça déjà montré nous, Garry Conille s'est imposé, international, imposé nous. Alexandre Marc-André, qui présentait tête comme porte-parole Belé, il y a un quartier populaire qui passe suspendre pour quartier coup de balle à quartier Solino, Fonds national pour citer ça au seulement, fait qu'on ait salué choix Garry Conille comme chef gouvernement. Pendant qu'il souhaitait atterrir pressé avec assainissement dans le quartier populaire. On ne peut pas gagner deux balles de Garry Conille, pour tout le monde prétend Garry Conille, nous très apprécié choix, mais le plus nous besoin l'école. Nous avons besoin pour tout le monde qui a retourné à l'école. Nous avons besoin pour toute l'école ouverte dans toute la capitale pour tout le président. Nous avons besoin d'une vie normale. Nous avons besoin de la paix pour l'insécurité. Et dans ce tout, nous avons besoin d'assainissement. C'est pour l'école qui n'est pas ouverte là. Malheureux. Il faut faire un paquet de déficits là. Il faut être un pile côté qui a écrasé, qui a écrasé. Tout ça, il va proposer pour le président de la Premier ministre Garry Conille. Un fonds pour nous tous, Haïti Kachita, ensemble, pour nous redémarrer. Dans la déclaration faite pendant l'installation, le Premier ministre Tounef là, mandé pour gagner en tête ensemble, pour capable répondre à des idératas masse défavorisés. Cependant, différentes organisations dans la vie nationale pays a demandé pour qu'on ait 30% respecté. Qui veut dire qu'il faut qu'il y ait 30% de femmes pour PPT qui représentent dans l'administration publique. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps, dans le pays Kenya, même c'est gros la prière pour force multinationale qui vient pour arriver dans le pays d'Haïti. Gentil Augustin Junior, gain détail. Président William Ruto ak Madame Lee mande aide la prière quelques pasteurs kenyans pour guider mission police qui gagne pour al Haïti. Nous pas ka permettre officier police nou yo aller Haïti sans la prière. Ruto ak Madame Lee Rachel montre la foi yo en public. Yo té engagé leader évangélique yo nan problème l'état yo tant kou à travers programme diplomatie la foi. The church in Haiti. L'église Haïti travaille avec l'autre l'église, tant que l'église Kenya, l'église États-Unis. Yo mettez tête ensemble et puis repenti. Ensuite, dénoncer et révoquer alliance gang yo. Mais l'église là doit participer parce que c'est yo même qui dans pays côté alliance l'ont fait. Li te fait sous terre haïtien yan et c'est peut-être ça yo doit retirer sous terre haïtien yan.
c'est pas tout le monde qui convainc avec stratégie pasteur Kenya yo. Docteur Hassan Kanenje, directeur Institut International Horn pour études stratégiques, yon groupe réflexion et recherche politique qui Nairobi, quoi c'est pan-africanisme Ruto qui t'a inspiré engagement li dans mission. Haitians have had rather, you know, Haitien yo te fait yon très mauvaise expérience avec force multinationale ou soit plutôt force internationale Nations Unies yo. Gen en pile ka viol, pillage, violation grave droit moun Haitien yo. Mais force Nations Unies yo ou soit ça yo rele casse blé yo et qualité mauvais expérience ça yo qui té yon choc sou haïtien yo. Yon directeur organisation droit moun nan Afrique de l'Est gen gros inquiétude sou force qui pral déployer Haïti ya. One of the concerns is that yon nan inquiétude yo c'est que force cap déployer pour soutenir Haïti ya, quitte c'est la police ou soit l'armée, doit conformer yo à certaines normes. Et nous dit Kenya déploye la police et police kenyan nan c'est yon kat marqué pour dossier abi. Et si Kenya déploye la police, premier bagay qui doit faire, c'est assurer que policiers qui étaient impliqués dans violation droit moun yo pas déployer l'autre bord. Président William Ruto bon côté parle, te dit que sécurité ak la paix doit établir tout côté. Kenya believes Kenya croit que responsabilité pour la paix et la sécurité tout côté, inclus en Haïti. C'est responsabilité collective toute nation et monde qui croit dans la liberté, autodétermination, démocratie et justice. Et c'est pour ça que Kenya te prend responsabilité ça. Le président Kenya, William Ruto, te visite États-Unis dans une visite officielle, il te renouvelé engagement pays a pour te voyer une force police pour aider Haïti avec problème violence que gang yo alimenté pour diriger capitale là, Port-au-Prince. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil, moi mea c'est moi héritage, moi culturel héritage haïtien. Non mais ami te gen activité pour clôturer moi ça nous va rejoindre Luxon Saint-Ville. Plisier calte valise, rad, zano, tableau, pour citer ça seulement, artisan qui te vienne présenter ses vieux, dit c'est avec fierté yo te vonne qu'il ti pays d'Haïti. De toute mois mai dans l'état Floride. Moi pense que grand pile travail qui fait au cours de mois de mai ici Miami pour nous faire promotion de la culture haïtienne, promotion du savoir-faire haïtienne et tout ça qui bon qui occupe yon kavon à part de l'autre bagaille que négatif qui gagne mais nous grand pile bagaille positif tout que kavon. C'était un mois qui était chargé avec activité pour non seulement vendre culture là et orio manger nous yo mais coutume nous yo mœurs nous yo et c'est avec vraiment honneur que nous gagne chance moun qui a fermé gros mois ça ici et capable présenter œuvre nous yo qui essentiellement a essayé montrer et vendre culture nous à travers New York. C'est pas seulement artistes et designers qui te répondent présent dans l'exposition ça. C'est des entreprises et organisations qui offrent service à haïtiens te estimé li important pour venir supporter initiative ça diaspora apprend. Pour connait haïtien qui dans diaspora ou toujours chercher qui moyen pour nous aider Haïti. Qui organisation qui a fait bon travail en Haïti qui capable supporter. Et moi étant donné que moi c'est un bénéficiaire de programme Help là, donc moi te dit moi venir me partager information ça avec mon yo. Oui, moi pense que pendant moi ça, pas seulement au niveau de Miami, parce que Fancosé, USA, c'est au niveau Washington que lié. Nous-mêmes, tout nous prenons travail là à cœur, sur page social media, nous faisons tout mois à faire des posts dédiqués pour célébrer moi. Participant toute qualité, toute secteur, des sorties plaisir quoi dans Miami avec zone qui entoure Lyon. Pour devenir correct, qu'il t'y haïtienne. Nous vendons la musique, là, nous vendons l'artisanat, nous vendons le monde qui est dans le leadership qui est dans la zone, là, mais nous avons toujours fait mieux. Haitian Heritage Expo 2024, une activité Marlène Bastien dit qui arrivait à atteindre l'objectif qui c'est mettre art à culture haïtienne en valeur. Côté vraiment extraordinaire, différent, pile diversité, ça montre vraiment que peuple nous sommes un peuple qui a pile talent et à cause de talent, ça, nous avons espoir, pays nous avons pour reprendre l'élégance. C'est belle en ça, belle culture ça, il va périr. Fier de histoire et culture pays, initiateur au cassé rendez-vous pour mai 2025 pour l'autre mois héritage haïtien dans l'État Floride. Moi c'est Luxon Saint-Ville depuis Miami pour VOA Creole. Donc moi mais c'est moi héritage culturel haïtien et grand pile activité qui marquait et moi ça et grand pile l'autre activité encore que nous même n'a partagé avant et c'est ça qui fait que nous invité toujours branché sous et page VOA Creole pour capable gagner toute information. Pendant ce temps ici aux États-Unis gagné petit président Joe Biden qui nan et devant la justice pour question de et possession d'armes illégales et jodi a nan possède gagné ancien madame ni et ancien ménagerie qui yo même yo témoigné
et gen maman tout en parlant de première dame nan, Dr Jill Biden qui lui même té dans audience là et madame monsieur ancien madame ni eh ben lui même lui fait connaître que eh ben té découvert que Maril tape fumé ça relé et crack donc il bay témoignage et plus en plusieurs informations dans cadre process ça cap déroulé contre et petit garçon président Joe Biden. Et puis et quelques autres points qui a dominé actualité en Haïti, eh ben c'est et focus attention, c'est sous premier ministre Guy Koné qui lui-même avec de concert ou bien collaboration avec conseil présidentiel transition qui au même pral former un gouvernement et dans jour qu'avin là c'est ça pour mettre ça que yo fait. Et puis tant que nous sommes gentil Auguste Junior sont dit nous et ben gagné et force dans Kenya gagné président Ruto avec madame ni Rachel première dame non yo même cap la prière dit pas qu'à quitter troupe yo aller sans yo pas la prière en attendant que y a ton pour yo ouais qui gens ça pour le passer. Et puis nous connaît que gain président et Joe Biden qui trouvait dans pays la France et l'a bien pour prendre la parole vendredi c'est dans occasion 80e anniversaire débarquement et 6 juin 1944. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous remercions tout le monde qui branché. L'autre information que nous portons pour vous, et nous allons directement dans le dossier police nationale d'Haïti. Et bien, police nationale d'Haïti pour un pile monde qui estime et grand pile preuve tout, prévu même yo parler. Et bien, côté preuve parler, selon organisation citoyen pour une nouvelle Haïti, et bien, yo estime ça pendant journée hier mercredi qui était 5 juin 2024. Là, côté organisation, si la fait qu'on est, l'important pour yo fait yon bon nettoyage en dedans police nationale d'Haïti que nous même nous connaissons nos PNH n'importe qui capable d'il mais c'est police et bien qui t'a de protéger avec ses donc selon organisation si là et bien ça supposé faire un nettoyage en dedans PNH là et c'est dans tout niveau Camille Oxis lui même qui c'est directeur exécutif OCNH et bien lui-même li kwè mezi sa lui-même l'a aidé ran institution police la lui-même li vini propre qui donc a pile moun déjà konnen li pa propre et lui-même tout li mandé pour CSPN lui-même bay policier yo directive moyen avec accompagnement pour yo même yo mette l'ordre ak la paix nan pays n'a rappelé au syndicat yo même dans la police la mandé démission suivi et arrestation DG actuel la n'a parlé de mettre France LB lui-même pour un pile monde qui échoue. Qui donc si nous comprenons police nationale d'Haïti lui-même lui mandé un bon changement en dedans le vrai, lui mandé un bon nettoyage en façon pour nous capable une bon police qui pourra protéger et servir qui pas dans cocobrette avec gang même si n'a pas été mandé pendant journée hier. Et bien yo pas d'accord les politiciens yo même y a fait bruit sous gari koni en façon pour mettre monde pa yo directeur qui donc police nationale d'Haïti li pas supposé lui même pour ta politiser qui donc se protéger et servir qui donc yo ta supposé là pour bay service avec population pourquoi pas tout sécuriser moun yo même qui nan pouvoir mais dossier l'el politiser tant que gon parti capable manifester yon l'autre non et bien en pile moun relé derrière et bien c'est le cas des organisations citoyen pour une nouvelle Haïti yo même yo estimé pendant journée hier mercredi li important pour faire un bon nettoyage en dedans la police là qui donc la police là qui chargé avec un policier qui corrompi policier qui tété bouda avec gang et bien en pile moun wè ça a clair et ça fait yo obligé à demander faut gagner yon changement qui fait en dedans la police nationale d'Haïti yon l'autre côté JetBlue ak American Airlines même confirmé passager passeport haïtien pas capable aller en République Dominicaine. Et bien selon Lixon Saint-Ville qui c'est journaliste qui t'a tendu la souve ou à créole et bien le fait qu'on est pour être capable à confirmer information ça il était obligé rentrer en contact avec service clientèle des compagnies yo même qui dit et bien effectivement si un monde cap quitter pays États-Unis pour ta aller en République Dominicaine il pas ca aller avec un passeport haïtien. Donc nous ici prenons y pas tout bon et bien Luis Abinader qui était déjà venu avec décret ça en mois mars et bien après département d'état américain te pral ba yon pinga bien rapide il était retiré et bien lui même qui fait que sont réélu là
19 mai 2024 qui sont passé à là, eh bien, selon ça, Lixon Saint-Ville fait qu'on est ou pas capable de quitter le pays les États-Unis si vous seulement avez une résidence pour aller, donc on est capable d'embarquer pour la République Dominicaine, sauf si vous avez un passeport américain qui vous a gagné, qui donc si c'est passeport haïtien, passager a gagné, malheureusement, nous ne pouvons pas autoriser l'embarquer. Eh bien, c'est un agent eux-mêmes, vous fait qu'on est selon ça, journaliste là, il fait qu'on est décompagné ça eux-mêmes, vous dit, eh bien, c'est une mesure restriction, autorité dominicaine. Dominicains eux-mêmes yo adopté sans attendre que eux-mêmes yo obligé couper en balle qui donc eux-mêmes c'est compagnie yo pas capable faire force avec Luis Abinadel. Et bien Luis Abinadel a clé là pour en pile monde et tout monde ouais ces pays a fait dominicain en pile monde penser pour marchandise qui perdit dans dossier commerce avec Haïti. Et bien Luis Abinadel après elle perdit élection hein? Et bien c'est bien compté mal calculé dominicain rechoisir et pourquoi il a fait commencer frapper haïtien dans zo qui donc si ou gen passeport haïtien nan jan sa te kon fèt avant lò rezide ou gen résidence permanent nan pays États-Unis ou kon sep man pran avion ou pou lò pou kwen li la depi se passeport haïtien ou rien, et bien ou pap kapab ale République Dominicaine. N'ap rapèl se pou lò ap antre nan aéroport yo, mais sou ap sot nan pays d'Haïti depi chef dominicain yo jwenn kòb yo kite haïtien yo menm yo pase sans aucun difficulté. Mais nan dossier ki gen pou wè rentre légal la ki donc depi mois de septembre, le canal la lité commencé dossier diplomatique Haïti République Dominicaine li complètement coupé yon visa haïtien même l'autre a gagné là qui donc quoi difficile pour rentrer si déjà yo di passeport pas ka rentrer. C'est pas visa qui sous passeport qui pral cap rentrer et d'ailleurs même yo t'ai déjà coupé tout ça qui gen pour avec côté pour ta checker pour mettre sous rentrer ou sorti en République Dominicaine. Bagay yo paraît vraiment dur là nan dernier jour ça là, c'est tout dans ça qui gen pour avec République Dominicaine et pays d'Haïti pendant nous même nous pas fait pays. PM Ariel Henry lui-même ancien PM là, c'était lui-même selon Luis Abinadel qui d'après le cause yo fermé frontière là en façon pour République Dominicaine t'a exiger pour haïtien t'a camper canal yo construit sous rivière massacre là dans Wanamet. Et bien Ariel Henry lui-même il était fait partie monde selon président dominicain n'a parlé de Luis Abinadel qui te dit le fermer frontière pour une façon que haïtien eux-mêmes pour camper construction canal là. Et bien fermer frontière mais côté le mener qui donc c'est nous-mêmes haïtien qui pour faire pays pas nous dossier pays voisin ces bagaille dominicain là pour régler pas régler rien pour Haïti pour aller là sous ta grande résidence ou bien déjà nous connaît qui quantité haïtien qui vivent en République Dominicaine. Et bien président s'il a lui-même qui a qui vraiment drastique envers Haïti qui donc ou pas capable aller légalement. Est-ce que n'a jamais légal sur territoire dominicain? C'est question en pile monde même y a posé. Mais là n'a regardé un traitement République Dominicaine li continue la baïa pays d'Haïti. Yon l'autre côté dans dossier qui gen pour avec un dossier volio qui était campé Port-au-Prince, et bien en pile compagnie après son oise te commencé, et bien plusieurs autres compagnie là pendant journée hier qui était 5 juin 2024 là n'a parlé de JetBlue avec Spirit, et bien yon même yo ta reprend volio sous capitale pays d'Haïti a n'a parlé de Port-au-Prince. Si n'est capable quoi ça journal les nouvelistes lui-même li rapporté, et bien le fait qu'on est JetBlue fait un vol sous Haïti pendant journée hier mercredi 5 juin 2024 là pour compagnie Spirit là, et bien vol lui-même y a reprendre journée jeudi à là qui c'est 6 juin 2024 dans aéroport international là tout c'est l'ouverture là dans Port-au-Prince qui donc majorité avion yo commencé voler malgré ça. Canada lui-même yon n'a pas Canada yo te dit yo même yo pral tourner c'est dans mois d'août pour yo refaire vol sous territoire national là. Pourquoi elle est là sous de yo ou te kon ka rentrer par République Dominicaine ou ta rentrer dans machine pays d'Haïti, et bien sou pa ka passer par République Dominicaine ou obligé gagner entrer sorti la caillou yon façon pour même sou bon yon il va contrôler quantité haïtien qui dit yo pour yo passer bi les yo besoin rentrer la caillou pour yo pas capable et tout ça tout li même li la cause violence nèg exam yo même qui cause pays a invivable pays a li même li vraiment limité haïtien pas ka faire sauver. Et bien République Dominicaine li même li pas décidé collaborer ni pote nous secou rien qui donc à tout pays qui zanmou c'est dans bouche malgré dominique pas ta cham zanmi haïtien tout bon tout, mais yo vraiment ap marqué nous dit nan dernier les sa yo la pays Kenya.
Mais pays Kenya qui participe en fait par l'empile, dans dernier jour ça là dans dossier force mission multinationale là, l'en contrôle qui valait avantage pays États-Unis offre avec Kenya pour venir prendre tête pays d'Haïti dans mission force multinationale là. Et bien président Kenya lui-même qui participe en fait gymnaste pourquoi il est là après toute démarche qui fait, et bien il en la prière femme là parce que président lui-même lui mandé un groupe pasteur pour guider mission en la prière dans pays d'Haïti qui donc c'est groupe prière y a fait matin midi soir dans pays ici là côté William Samoe Ruto avec toute madame Lili même qui c'est Rachel Ruto, eh bien li dit yo pas capable permettre yo voyer policier Kenya yo en Haïti sans yo même yo pas prier pour yo dans sens ça. Eh bien te gen cérémonie qui était déjà déroulé, eh bien qui te mandé bon Dieu pour accompagner officier qui pral la fait partie mission multinationale là dans pays d'Haïti. Pourquoi li là? Eh bien c'est la prière qu'a fait, mais date pour mission li même li tape le territoire national là, eh bien li tout ou poko officiel wap tande gen pile parler en pile préparation base cap construit tout détail a fait maintenant dossier qui gen pour avec force là lui-même pour ce qu'on y a sous ta mandé haïtien ou bien n'importe moun nan lui-même ou bien si ta connaît nan autorité mais li poko nan mais la presse li poko public pour ta 17 ans après date qui était 23 mai ils ont passé là côté haïtien était tourné pour attendre tap tande pour mission pour bien quelques policiers étaient débarqué et bien c'était une délégation qui était débarqué maintenant dossier policier eux-mêmes yo poko vini nan pays d'Haïti. Nous oblige attendre parce que c'est tan pour nous tan, nous pas gen rien nan men nous qui donc n'ap tan lè ou même yo ta lè vini pour vini maintenant ça qui gen pour avec pour nous faire pour tête nous qui donc bagay yo poko clair dit tout là nan men haïtien ou même capitaine Kenya pour venir peut-être mission si là dans pays d'Haïti. De l'autre côté dans dossier qui gien pour avec Miskaden, et bien Miskaden lui-même qui participe dans mété bagaille dans même bandio matin midi soir. Commissaire Miskaden lui-même l'a frappé, commissaire Miskaden frappé vive ensemble bien fort. N'a parlé des individus qui de même t'relé Wilbert Jean-Louis alias dernière occasion, et bien monsieur mortellement blessé par Miskaden dans ville Miragua. Dans Wilbert lui-même li c'est un évadé prison pénitentiaire nationale, et bien lui-même qui t'a fait passeport dans ville Okaya sous un autre nom qui donc nèg yo qui toujours a mettre maya il a viré tourner pour gens au fait, et bien Okaya là tout lui-même qui gagne richement tête li, et bien richement li même malgré dans dernier jour ça là nous gros opération richement et en pile moun, mais Wilbert li même li fait passeport quand même, donc il t'a essayé pour le comment li t'a quitté pays a, mais malheureusement là il tombé sous Miskaden qui pas manger en un fret et lui même qui pas joue avec bandi. D'ailleurs elle fait qu'on est tout poste couper tout côté pour bandi arrêter tout côté pour bandi a lui même li à l'aise qui non cassé dans cimetière pour bandi à l'aise. Et bien c'est le cas de Wilson, n'a parlé de Wilbert pardon Jean-Louis alias dernière occasion lui même, et bien qui tombé pendant lui même li tap sous fait passeport au Kaya sous faux nom qui donc faux nom ou pas de pour tomber en bas même Miskaden la vouyo à joindre. Bon, nous va pas dire qui est, mais lui-même l'a met bagaille dans mon, il fait qu'on est quelqu'un sauté ici cimetière écrasé, mais depuis c'est pas cimetière, c'est ta prison qui écrasé, il pas gain aucun qui est sauté parce que lui-même place bandi pas dans prison, c'est dans cimetière. Yo ta supposé bois calé, et bien bois calé a pas campé, bois calé dans zone Kaliève qui trouvé dans le département ni pays d'Haïti, et bien yo bail un bois calé avec individu qui tape côté peuple là, et bien nuisance, et bien peuple là lui-même bien rapide yo poussé nèg sa yo bois calé lui-même li pa campé pour dernier jour sa yo là les tout bandi yo même en pile là dedans yo paniqué y a essayé tenter wè comment yo té capable faire yon façon pour yo wè comment yo même yo té capable sauver tête yo. Et bien peuple là lui-même qui déjà filé manchette li capitaine nèg sa yo bois calé yo continue à bailler. L'autre information que nous portons pour vous sur l'échelle internationale, et mes femmes qui continuent eux même à faire victoire là dans pays Islande, dans femmes d'affaires que eux même yorele Ala Thomas Dottir lui même lui remporté élection présidentielle là, et bien en Islande côté femme d'affaires ça lui même qui c'est Ala, et bien qui gagne seulement 55 l'année sous tête lui, et bien lui officiellement élu présidente avant dimanche 2 juin 2024 là, et bien
tout dans journée ça lui même li prend avantage et bien sous rival li n'a parlé de Catherine Jabot d'Otir 48 l'année et bien à là lui même li remporté et bien scrutin yo avec 34.3% des voix qui te gagné yo contre 25.5% et bien suffrage pour Catherine. Pourquoi elle est là lui même qui te déjà remettre démission là comme premier ministre dans gouvernement gauche là et bien il fait remporter élection dans pays ici là qui donc tout côté femme. Est-ce que nous pas ka bay un petit coup de femme tout dans pays d'Haïti pour président pays ya malgré nous connait bagay yo ye mais en pile pays yo même dans dernier les ayo là si tout dans ça qui gagne pour avec démocratie et bien yo même yo continuer à bay femme yo yon façon pour comment femme te capable diriger yo et bien pays d'Haïti tout yo te capable bay yon femme prendre tête pays pour nous essayer trop avec garçon parce que rien pas marché beaucoup de garçons yo est-ce que c'est volonté qui pas gagné est-ce que c'est corrompu ou trop corrompu. L'autre information que nous portons pour premier ministre, désaccord entre premier ministre Garry Conille avec un conseil présidentiel transition. Nous avons un compte qui était fait dans la date qui était 4 juin 2024 là dans la Villa d'Akei. Dans Mizoa, entre actuel la premier ministre de facto pays d'Haïti, n'a pas parlé de docteur Garry Conille. Et bien, premier ministre haïtien lui-même a opté pour une diminution dans la quantité ministérielle. Et bien, selon lui-même, qui paye un avantage économiquement pour pays d'Haïti lorsqu'il connaît niveau économique pays à lui-même qui pas dans un état qui vraiment dans mauvais état qui un état qui vraiment critique et bien après plusieurs plaignants dans bouche pas groupe face avec la proposition si la conseil présidentiel transition lui-même était d'accord pour réduire cabinet soutenant 18 ministères pour descendre à 13 et bien si toutefois premier ministre lui-même il a persisté pour cabinet à descendre 11 ministères et bien cependant dans dialogue yo yo t'a rejoindre un accord pour camper à 13 ministères et dans même temps si là plusieurs dans ministère yo même yo pral réorganiser tant coup ministère agriculture avec ressources naturelles développement pral faire yon celle avec ministère environnement mais ça yo même yo visé pour augmenter vigilance avec renforcement capacité ministère selon premier ministre là n'a parlé de Garry Conille même li avancé comme raison pour qu'on y a la conseil présidentiel transition avec un premier ministre docteur Garry Conille et bien entendre yo sur un cabinet ministériel avec 13 portes ministérielles à cap gagner pour monter et présenter bay nation haïtienne dans jour cap venir là yo et bien cap souffrir en bas toute qualité problème qui nous même nous déjà gagné yo l'autre côté Lopez Obrador a demandé États-Unis pour déporter immigrants yo directement dans pays yo après nouveau l'ordre Biden nan. Président mexicain Andrés Manuel López Obrador lui-même l'a demandé États-Unis mercredi qui s'est passé à l'arrière pour retourner immigrants directement dans pays au lieu pour voyer dans Mexique après nouveau l'ordre exécutif Joe Biden lui-même qui mettait restriction sous demande asile. Le président mexicain lui-même l'a parlé dans téléphone mardi avec le président américain Joe Biden sous nouveau l'ordre lié qui pral permettre autorité américaine de déporter monde qui pas passé standard asile là les mêmes qui fait chiffre 2500 détentions chaque jour sous frontière lui-même et bien dépassé pour une moyenne de 7 jours. Président attribué mesi immigration États-Unis dans élection présidentielle novembre les Biden après là yon l'autre fois encore fait face avec ancien président américain a parlé de Donald Trump 2017 pour 2021 alors que migration c'est priorité élection dans pays États-Unis côté pour faire face avec Donald. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification à mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça dépend de nous pour nous
capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passée à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre et bien n'a dit au revoir tout le monde. N'a pas encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.